pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette gîte en N'Djamena. Cette pluie a rendu impraticable certains quartiers des communes d'arrondissement. À l'exemple de certaines avenues, l'avenue Kondol, Mbaye Lemdana Marie-Thérèse et celle de Goukouni Wedei, respectivement au quartier Moursal dans le 6e arrondissement, sont remplies d'eau. Difficile de distinguer la surface des voies bitumées. Une situation qui sème de la panique aux citoyens. Nous avons constaté que dans certains quartiers un peu reculés, on a vraiment des difficultés à sortir de trucs comme ça. Nous demandons également à la mairie s'ils peuvent vraiment nous aider. La possibilité de nous faire des canaux pour que s'il pleut, de trucs comme ça, cela peut nous aider. Sinon, c'est un peu difficile. Parce qu'avec la pluie, la population souffre. Personne n'est tranquille. À la maison, des maisons tombent. Partout sur la route, les citoyens n'arrivent pas à évacuer normalement à leurs occupations. Donc je trouve que ce n'est pas normal. La saison des pluies est de retour. Il y a de cela 2 mois. Mais déjà, elle annonce son retour avec une inquiétude qui nécessite une responsabilité à divers niveaux. Après le curage des caniveaux et la grosse pluie qui s'est abattue, le maire de la commune du 5e arrondissement, Mahama Sali Moussa, s'imprègne de la réalité du terrain. Accompagné de ses adjoints, le maire s'est rendu dans les différents quartiers écarés de sa circonscription administrative. De façon globale, il constate que grâce aux travaux entrepris, la plupart des rues sont praticables. Dans les endroits où les canalisations sont obstruées, séances tenantes, des manœuvres temporairement recrutées interviennent pour drainer les eaux pluviales. À chaque étape de la descente du terrain, le maire de la commune du 5e arrondissement discute directement avec les habitants des quartiers pour recueillir leurs doléances et les sensibiliser à un esprit civique. Car il a été relevé que certains opposent un refus catégorique à leurs voisins d'évacuer l'eau. Il est de notre devoir, en tant qu'autorité municipale, après la pluie, de faire un tour dans les différents quartiers. Dans ce sens que nous avons fait le tour dans les quartiers et le constat que nous avons fait, donc la plupart de nos rues sont praticables actuellement. Et nous avons aussi recruté les manœuvres temporaires qui vont être permanentes au niveau de notre commune. Et après la pluie, nous allons faire un tour avec ces manœuvres-là, là où il y a des problèmes. Avec nos manœuvres, on règle les problèmes. Donc nous, de notre côté, nous avons curé les caniveaux qui concerne notre compétence, ça veut dire les caniveaux maçonnés. Nous avons curé tous les caniveaux maçonnés dans notre circonscription, mais ça reste quand même, la population doit quand même faire un peu d'effort pour nous appuyer pour que notre commune ne soit pas inondée. La population est beaucoup pressée. Parfois, après la pluie, les gens veulent que l'eau passe rapidement. Mais par contre, il faut un peu du temps, après 1 heure du temps ou 2 heures du temps d'abord, l'eau coule. Les habitants de la commune du 5e arrondissement apprécient hautement l'attitude responsable de leur maire. Ils se disent émis par cette promptitude. Désormais, une brigade de manœuvre assure la permanence pour intervenir à toute éventualité.